nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des vivants dans la maison de Dieu? Amen. Prépare déjà ton cahier, ta Bible, tout ce qu'il faut. Alléluia. Gloire à Dieu. Préparez-nous pour tout ce qu'il faut. Que Dieu soit loué. Qui croit que Dieu va encore nous faire du bien ce matin? Qui croit que Dieu va encore nous faire du bien ce matin? Sois déjà motivé en avance parce que ce matin, je vais parler. Amen. Je vais parler, je sais que le Saint-Esprit agira aussi. Amen. Donc là où tu es, prépare déjà ton cœur, prépare ton cahier, ta Bible, tout ce qu'il faut pour prendre. Amen. Ok, nous allons prendre la Bible dans le livre Actes des Apôtres. Tu peux noter le thème, c'est l'Église primitive. Ce matin, et pour cela, nous prenons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 16. C'est une pensée, ensuite, nous allons rentrer dans le message. Chapitre 17, le verset 16. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Amen. Ici, vous allez voir que à l'époque, dans l'église primitive, on disait les apôtres, les gens qui ont bouleversé le monde. Réfléchissez un instant avec moi. Ces gens n'avaient pas YouTube. Ces gens n'avaient pas d'affiches. Ces gens n'avaient pas de publicité, mais pourtant, ils ont bouleversé le monde. Ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui, des livres, tout ce que nous voulons. Ils n'avaient pas tout ça, mais on va dire que ces hommes bouleversaient le monde. C'était quoi leur secret? C'est ça que nous allons décortiquer ce matin. Ils avaient un secret que nous allons aussi voir aujourd'hui, que l'Église puisse écouter attentivement, parce que Dieu va nous parler. Amen. Et si on voit des hommes qui ont bouleversé le monde, sans rien du tout, juste l'onction du Saint-Esprit. Et les hommes voyaient en eux une différence. Les hommes voyaient en eux quelque chose de différent, à tel point qu'on leur disait, voici les hommes qui bouleversent le monde. Comment ces hommes ont-ils bouleversé le monde? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, sois-en sûr, frères et sœurs, que l'Église est réellement en retard. Lorsque nous allons voir les points que Actes des Apôtres avait, nous allons comparer avec l'Église actuelle. C'est là que nous allons voir que l'Église actuelle est réellement dans la distraction et totalement en retard. Amen. Comment se fait-il que ces hommes, dans leur monde, à cette époque, ils ont su bouleverser le monde, ils ont su prêcher l'Évangile à toute la création? Comment ils ont fait cela? Grâce au Saint-Esprit. Et nous, aujourd'hui, c'est une honte. Ton voisin ne sait même pas que tu pries. Ton quartier ne sait même pas que tu pries. Ici, à Salonnière, on ne sait même pas qu'il y a une église puissante. Pourquoi? Parce que l'église a perdu ces 7 points que nous allons voir aujourd'hui. Dans ton quartier, on ne sait même pas qui tu es. Le feu ne sort pas de toi. Il n'y a rien qui sort de toi. Pourquoi? Parce que nous avons perdu quelque chose. Dans ton travail, on ne sait même pas qui tu es. Même dans l'église, tu es tiens, tu es froid. Pourquoi? Parce que tu as perdu quelque chose. Mais l'église primitive, c'est le modèle à suivre. Vous allez voir comment ces hommes ont impacté. À peine convertis, ils parlaient de Christ. À peine convertis, bouleversés toute la terre. C'était quoi le secret? Ça, nous allons voir Actes chapitre 2. Tu peux juste te diminuer un petit peu mon cordon, s'il te plaît. Nous allons voir ces 7 points. Et appliquons ces 7 points, s'il vous plaît, église. Ça va beaucoup nous aider. Qui veut voir le changement dans l'église? Amen. Qui veut voir le changement à Liège? Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen, fatigué comme ça, tu ne vas pas manger. Amen.
décourager. Vous me découragez déjà de prêcher. Amen. Mais avec ou pas, je vais prêcher. Prenons Actes chapitre 2. Nous allons voir la recette, le secret que ces hommes avaient pour bouleverser le monde. Nous parlons de l'église primitive. On lit le premier verset. On lit jusqu'à 47, on reviendra après. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je dois acclamer la parole de Dieu. Sois concentré et ne sois pas fâché, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de vérité. Amen. Ici aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher, tu seras élevé, bénédiction. Aujourd'hui, je suis venu te choquer. Je pensais que j'attends la bonne amen. Je vois déjà que le cœur commence à battre. Aujourd'hui, je vais choquer. Je vais prêcher comme dans le temps de l'église primitive. Donc aujourd'hui, si je te vois me regarder de travers, je comprends. Mais si je vois que tu dis amen, tu es celui qui veut comment quoi? Le réveil. Donc sois réellement connecté parce que Dieu va te parler. Donc, ici nous allons parler du premier secret que cette église avait. Premier secret, la recette qui a fait que ces hommes ont bouleversé le monde. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Le secret, c'était ça. Il n'y avait pas de magie. Il n'y avait rien. Tout simplement, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Et c'était quoi cette doctrine? Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, la doctrine de l'église, c'est Jésus. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons juste besoin de Jésus. La Bible va dire une chose, qu'un disciple converti, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il voulait connaître le Sauveur. À peine converti, il passait du temps dans la parole de Dieu. Il examinait tout. Il cherchait à connaître la personne de Jésus. C'était ça la force de l'église primitive. Raison pour laquelle ils ont su bouleverser le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assidus. C'était des personnes qui aimaient la parole. Mais regardons l'église actuelle. Les hommes n'ont plus la parole. À peine converti, nous voulons des voyages. À peine converti, nous voulons le mariage. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais à peine converti, cherche à connaître la personne de Jésus. À peine converti, fléchis des genoux. Cherche la personne de Jésus. Ses disciples, c'était tout le temps au temple. Ils cherchaient à connaître le Sauveur. Voilà pourquoi j'aime l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, je ne vais pas savoir autre chose si ce n'est Christ crucifié. C'est ça que nous voulons. Je ne vais pas savoir autre chose au milieu de nous. Moi, je veux Jésus-Christ glorifié et crucifié. C'était ça le message de l'évangile. Les hommes se convertissaient. Pourquoi? Ils n'attendaient pas qu'on... Oh, je vais parler. Ils n'attendaient pas qu'on dise Bouddha. Ils n'attendaient pas qu'on dise Allan Kardec. Ils n'attendaient pas qu'on dise des papes. Ils n'attendaient pas qu'on prêche des hommes. Mais on prêchait Jésus. On prêchait Jésus. Le message de l'église, la doctrine, c'est Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas les hommes, mais c'est Jésus. Alléluia. Paul, Pierre, prêchait l'évangile. C'était quoi? Le jour qu'il était dans la chambre haute, il n'a pas préparé le message. Pierre va prendre sa revanche. Il est rempli du Saint-Esprit. Il descend. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a préparé le message? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prêcher Jésus-Christ. Et les âmes écoutaient. Il n'y avait pas où vous serez bénis, vous serez élevés. Il prêchait la vraie doctrine. Jésus. Jésus-Christ est la porte, frères et sœurs. C'est ça que cet homme prêchait. Il était là, les hommes l'écoutaient. Ils ont eu le cœur vivement quoi? Touché. Waouh! Pierre prêchait,
Jésus sauve encore. Il peut te pardonner. Jésus peut te relever. Ce Dieu revient bientôt. Donnez vos vies à Jésus. Et les hommes, écoutez, il n'y avait pas d'autre message. S'il vous plaît, Église, si nous voulons que Liège change, prêchons Jésus. Si nous voulons que la Belgique puisse être bouleversée, prêchons Jésus, frères et sœurs. Arrêtons de prêcher nos maquillages, nos vêtements. Dieu n'a que faire de ça. Prêchons Jésus, présentons Jésus au monde. Ne présentons pas les papes ou quoi que ce soit. Présentons Jésus. Alléluia. Présentons Jésus. Qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui? Mon pasteur, ton pasteur n'est pas Dieu. Mon prophète, ton prophète n'est pas Dieu. C'est lui qui sauve, c'est Jésus. C'est lui qui est venu mourir pour toi à la croix. Et aujourd'hui, les églises, plusieurs, ils ont mis Jésus dehors. Jésus n'est plus au centre de tout. Alors que le socle, c'est Jésus crucifié. Si l'église ne te prêche pas Jésus, sors de là, je vais parler. Si on ne te présente pas Jésus, sors de là. Le secret de l'église primitive, c'était ça. Il persévérait dans la doctrine des disciples. Parlez que de lui. Vous allez voir que Dieu lui-même, il ajoutait quoi? Les âmes. Les âmes venaient. Pourquoi? Parce que là où Jésus est annoncé les puissances, Dieu enverra les âmes. Et c'est ça qui se passait ce jour-là. Les âmes venaient. Pourquoi? Parce que le premier point, le premier secret de l'église primitive, c'était quoi? Persévérer. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous persévérons? Est-ce qu'on passe le temps à connaître Jésus-Christ? La personne qui t'a sauvé, est-ce que tu prends du temps à le connaître? Est-ce que tu fuis dans les Écritures? Est-ce que tu fais parfois des jeûnes, tu t'en fais, tu dis Seigneur, moi je veux te connaître. Parce que Jean chapitre 17, verset 3 nous dit ceci. Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le vrai Dieu et le Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Il faut que l'Église retourne à Christ au pied de Jésus. Que nous puissions également chercher Jésus. Qu'on arrête un peu de sortir. À chaque fois, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Que nous cherchons réellement Jésus-Christ. C'était ça leur secret. Il n'y avait pas de magie. Il n'y avait pas ainsi dit quoi que ce soit. Non, c'était Jésus. Lorsque tu prêches Jésus, lui-même va se glorifier dans le message. Lorsque tu prêches Jésus, lui-même va se révéler dans le message. Ça, les cœurs changent. Les cœurs sont touchés. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul sauveur. Laissez-moi vous dire une chose d'église. Le seul chemin, c'est Jésus. Quel que soit ta religion, quel que soit d'où tu viens, le véritable chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'était ça le secret, premier point. Amen. Est-ce que vous l'avez noté? Amen. C'était quoi le premier point? Le secret. Est-ce, si tu veux que Liège bouge, parle de Jésus. Si tu veux que ton église change, parle de Jésus. Si tu veux que ta famille vienne à Christ, parle de Jésus. Si tu veux que dans ton école, dans ton lieu de travail, les hommes soient touchés, parle de Jésus. Tu verras que Dieu va se glorifier dans le message que tu prêches. Amen. Deuxième point. La Bible dit, le deuxième secret, ici ça va commencer à serrer un petit peu. Communion fraternelle. Dis à ton voisin, communion. Communion. C'est ça, piqué. Communion fraternelle. Ce qui a fait que cette église puisse bouleverser le monde aussi dit. Cette église était constamment dans la communion fraternelle. Ils s'aimaient. Il y avait de l'amour. Mais aujourd'hui dans nos églises, qu'il y a de la méfiance. Je vais parler. Qu'il y a de la méfiance. Vous voulez bouleverser des choses comme ça? Si entre vous, il n'y a pas l'amour. Vous voulez bouleverser vos familles comme ça? Si entre vous dans l'église, vous ne vous parlez pas. Vous voulez bouleverser le monde comme ça? C'est quoi cette église aujourd'hui? On voit les apôtres, la Bible déclare qu'ils étaient tous les jours dans le temple. Ils mangeaient le pain ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Ils remettaient le pain ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'amour. Communion fraternelle. Il n'y avait pas moi, je ne vais pas parce que Papa Dieu sera là. Moi, je ne vais pas parce que Ami sera là-bas. Non, c'était une église qui connaissait le commandement que Jésus avait donné. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ce commandement aujourd'hui est bafoué par plusieurs personnes. Et bafoué. Est-ce que nous aimons encore, frères et sœurs, la communion fraternelle? On se méfie, on se haït, on se poignarde, on s'insulte, on se dit chrétien. Ngowaro, ils ne sont pas des chrétiens. Voilà la force de l'église primitive. Jésus dira quoi dans Jean chapitre 13, verset 35? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour des uns pour les autres.
Aujourd'hui, regarde les chrétiens, on n'a plus de l'amour. Je vais parler, je vois vos yeux ici, nos yeux là. On n'a plus cet amour là. On vient à l'église, on dirait qu'on nous force. Communion fraternelle, ça ne nous dit rien. On fait un programme à l'église, je ne serai pas là. Tu n'aimes pas la communion fraternelle. Mais si tu veux que le monde puisse se bouger, aime ces choses. Si tu n'aimes pas la communion fraternelle, tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Tu es en train de désobéir. Ces personnes, ils étaient assidus. Communion fraternelle. Oh, j'aime ça. Lorsqu'ils se retrouvaient entre eux, ils mangeaient le pain. Ils rompaient, ils prenaient la sainte scène. Ils pensaient à ce que Jésus avait fait. Ils avaient une joie entre eux, frères et sœurs. La communion fraternelle, c'est ça qui a disparu dans nos églises. Aujourd'hui, voir les gens se parler, c'est compliqué. Ah, je vais parler. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème contre un tel, c'est fini. Et tu t'en dis chrétien? Non, parlons. Dès qu'il y a un petit souci avec le carnet, ton regard change. Combien de fois tu as blessé le Seigneur? Il n'a jamais changé son regard envers toi. Combien de fois toi aussi tu as blessé les autres? Dieu ne s'est jamais retiré de toi. Combien de fois tu as parlé mal aux autres? Combien de fois tu as blessé la vie des autres? Mais Dieu n'a jamais changé envers toi. Quand il s'agit de pardonner, nous ne pardonnons plus. Pourquoi? Parce qu'on n'aime plus. Il n'y a plus cet amour là. On n'aime plus, frères et sœurs. On se dit chrétien, on ment beaucoup. Il y a beaucoup de chrétiens menteurs qui finiront en enfer. J'aime mes frères et sœurs, tu mens. Pourquoi quand le culte finit, tu pars vite? Dis amen. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup d'amen, mais j'ai beaucoup d'amen dans mes poches. Mon pote est là. Pourquoi quand le culte finit, tu pars directement et tu appelles ça communion fraternelle? Tu n'aimes pas la présence de Diego. Ah, il est là, je quitte vite. Dieu te voit. Tu risques même de rater le ciel si tu continues comme ça. L'église, c'est une famille qui t'amène. L'église, c'est une famille que tu me blesses ou pas, je t'aime encore, ma soeur. C'est ça qui amène à cette église. Communion fraternelle. Oh, tu m'as blessé, Aurélie, ce n'est pas grave. Je te tiens la main, on avance parce que tu n'es pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est le diable. Mon ennemi, c'est le diable, ce n'est pas toi. Mais aujourd'hui, notre ennemi est devenu notre prochain. Et on se dit chrétien, on attend le ciel. Voici la force, si vous voulez bouleverser le monde. Cessez, j'ai un don de parler en langue, j'ai un don de guérison, ton don ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, Jean chapitre 13, verset 35. C'est ça qui va te sauver. C'est quoi ce comportement que nous avons dans nos églises? On dirait des bébés. Ce n'est pas possible. On est convaincu, dès qu'il y a un petit problème, tout change, le comportement change. Il ne faut pas que ça arrive. Alléluia. Il ne faut pas que ça t'arrive. Un petit problème, tu changes de visage, je dirais que tu as mangé des citrons. C'est quoi le problème? C'est quoi ce chrétien va te mêler? Des bébés couchent qui l'autre. Dès que t'en touche, un peu tout change. Et tu n'aimes plus la présence de Maman Lisa. Pourquoi? Depuis que Maman Lisa m'a dit ceci, moi, c'est fini. Justement, démontre que tu es converti. Quand Maman Lisa te blesse et tu l'achètes un cadeau. C'est ça qui montre que tu es converti. Je dis, on t'a blessé, mais tu dis, ce n'est pas grave. Je t'aime encore parce que l'amour est plus fort que la haine. Quel que soit ce que tu as fait, l'amour est plus fort que la haine. Je ne peux pas te haïr parce que je suis vacciné de l'amour de Jésus. Je ne peux pas changer de comportement parce que je suis vacciné de Jésus. Ce sont des hommes qui seront enlevés. Ce sont des personnes qui seront enlevées lorsque tu manifestes l'amour, de l'amour, lorsque tu es blessé. C'est ça être chrétien. Ton milieu fraternel aujourd'hui, les hommes s'enfuient. On s'enfuit. On préfère passer du temps avec les païens plutôt. Je préfère les païens. Et au moins ils sont morts. Je préfère les païens. Ils sont morts dans la mort. Au lieu que toi tu les sauves, tu es en train de te voir, de te perdre avec eux. C'est ça l'église aujourd'hui. On n'aime plus ces choses. Comme une fraternelle. On dit il y a une retraite. On a un programme. On part chez Papa John. On part chez le pasteur Philippe. On part chez un tel aujourd'hui. Non, moi je n'aime mes filles. Moi. Parlez. Dis-moi de vérité, à ton voisin, dis-moi de vérité. Dis-le bien, tu ne dis pas bien, dis-moi de vérité. Dis-moi de vérité. On y va manger chez la soeur Aurélie. Non, moi je n'ai pas. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, oublie ce qui s'est passé, mon frère. Je n'ai pas chez Papa Dieu, pourquoi? Oh non, ce que Papa Dieu a fait, oublie. Nous sommes des humains, je te blesserai, tu me blesseras, mais si tu dois me pardonner. Toujours les mêmes personnes. Et on vient le réveil. Quel réveil? Le sommeil, oui.
réveille, réveille Seigneur avant le réveil. Le vrai réveil, c'est quand tu commences à aimer Bévi qui t'a blessé. Tu dis, Bévi, moi je t'aime quand même. Oh, soyons fascinés. Frères et sœurs, associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les âmes, il n'y a plus ça dans nos églises. Nous sommes une des mafias. Il y a des clans par là, des clans par là. L'amour, frères et sœurs, pour que ça soit dans nos églises. Voici la recette. Vous pensez que j'allais dire quoi? C'était dans la chambre haute. L'onction est seulement descendu. Ils ont commencé à prêcher. Non, il y a des conditions, des 7 points. Si tu n'as plus qu'on passe ces 7 points, tu peux sentir l'onction qui bouille comme je ne sais pas quoi. Frères et sœurs, si tu n'as plus qu'on passe de l'amour, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Vous cherchez quelle onction? Voici le secret. Tous ensemble, ils étaient là. J'aime ça. J'aime quand je me retrouve chez Papa Dieu, quand je mange le poulet de Maman Lisa. Et on rigole, on passe la Bible. C'est ça la vie chrétienne. Oh, si tu passes pas du temps avec tes frères et soeurs ici, tu vas les passer où? Si tu n'aimes pas tes frères et soeurs ici, tu vas les aimer où? Tu préfères les autres parce que tu n'habites pas avec eux. Va chez eux dans leur église, tu vas voir aussi. Enfin, Jésus dira toujours, un vrai prophète est toujours négligé dans sa propre vie. Négligez vos frères qui sont ici parce que tu connais que quand ils perdent, ça soit mauvais. Mais va là-bas, ils vomissent. Ils font des choses pires que tu ne sais pas. Ils te montrent que le bon visage. Va dans son église. Va dans sa maison. Va dans son quartier. Tu vas voir le témoignage que la personne a. Mais l'immaturité, c'est quoi? Ah, moi, ces gens-là, j'aime pas. Va, passe du temps. Un mois chez eux. Tu vas voir, tu vas dire, papa, Dieu, tu me montres là-bas. Vas-y. C'est ça que l'église a perdu aujourd'hui. On n'aime pas la communion fraternelle. Être ensemble, on n'aime pas. Non, moi je me méfie. Si tu es de Dieu, tu ne dois pas te méfier. Si tu es de Dieu, tu ne vas pas te méfier. Tu te méfies pourquoi? Parce que tu as aussi le mal en toi. Papa m'aimait. Mais là-bas, moi j'aime mon papa qui m'aime. Amen. C'est ça l'église, frères et sœurs. Pourquoi tout le temps, Lolo, ça commence à m'énerver? Je me méfie. Pourquoi tu te méfies? Jésus se méfie de toi. Tu as avorté, tu as couché, tu as fait des choses en secret. Il s'est méfié de toi. Il t'a même aimé quand tu étais seul dans la boue. Il t'a pardonné quand tu étais dans la boue. Il t'a aimé jusqu'à la fin. Il s'est humilié. Il a lavé les pieds des disciples pour montrer le véritable amour. Mais toi, tu as un problème. Non, tu deviens orgueilleux. Laisse-moi te dire, quand tu te comportes comme ça, tu es un bébé, bébé. Bébé, bébétisme. Faut que ça change, frères et sœurs. On devrait être loué. Normalement, tu serais déjà maman spirituelle, papa spirituel. Mais tu es encore loué spirituel. Trop de bébétisme, je ne comprends pas. On prêche en fait, on prêche l'amour, mais on manifeste de la haine. Faut que ça change, frères et sœurs. Tout le temps, on se haït, on se détruit. C'est pas ça. Voici le secret. C'est de tout le temps ensemble. Si tu m'as blessé, ce n'est pas grave. Tu m'as mal parlé, ce n'est pas grave. Vous pensez que cette église était parfaite? L'église primitive n'était pas parfaite. Mais ce qui faisait leur force, c'est l'amour que Jésus avait laissé dans leur cœur. Pierre, un jour, il a conflit avec Paul. Ils se mettent en accord. Et l'église a continué d'avancer. Il y avait des problèmes, on négligeait les Hébreux. On négligeait les gens dans l'église à cause de manger un bout. On les négligeait. Il y avait aussi des problèmes. Il y avait des coucheries là-bas, il y avait tout. Mais l'amour régnait toujours. Ah, je vais parler. Que l'amour soit toujours plus fort que nos problèmes. Moi, aujourd'hui, nous sommes en train de monter plus de problèmes plutôt que de l'amour. Je vais t'enseigner une chose. Si tu ne montres plus de l'amour, tu verras les choses autrement. Mets les lunettes de l'amour, tu verras les choses autrement. Amen. Ici, nous allons bientôt rentrer dans le troisième point. Mais ici, notez qu'ils aimaient quoi? Si je te vois fuir aujourd'hui après l'église, tu es suspect. À moins que tu as prévu déjà un programme, je te comprends. Mais si tu n'as rien, si je vais parler, j'ai dit ce matin, je vais parler. Si ce message ne te change pas, tu es pire qu'un païen. Si ce message ne te change pas, ne te pousse pas à la réflexion, tu es pire qu'un païen. Parce que ça, c'est la vraie doctrine. Je n'ai pas inventé les 7 points, ils sont dans la Bible. Et le secret, la force de l'église primitive, c'était ça. Alors, ce que j'aime encore, prenons Actes chapitre 4, verset 32 jusqu'à 35. Regardez ce que la Bible dit encore, toujours dans la même pensée. Oh Dieu, tu es bon. Regardez, j'aime ça. Il faut que ça change. On veut des hommes spirituels dans cette église, des femmes spirituelles, des personnes debout. Alléluia.
Acte 4, 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru. J'écoute doucement. S'il vous plaît, vous qui n'avez pas de Bible, regardez ici. Lisez tout doucement pour que le peuple comprenne c'était quoi le sort de cette église. Vas-y. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris la profondeur? Un seul cœur, une seule âme, une même pensée. Ils s'aimaient entre eux. Il n'y avait pas le désordre entre eux, frères et sœurs. Une seule âme, un seul cœur. Le problème de Jonathan, c'était le problème de Papa John. Le problème de Sylvie, c'était le problème d'Aurélie. Chaque problème avait des solutions. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une seule pensée. Je ne peux pas voir Mickaël en train de mentir comme ça. Je vais l'aider, Seigneur. Je me mets à sa place. Ce qui veut dire dans l'église primitive, les âmes avaient plus de valeur que les objets. Mais aujourd'hui, les objets ont plus de valeur que les âmes. Nous préférons nos téléphones, nos voitures, nos maisons, plus que les âmes dans l'église. Et on dit qu'on sert. On ne sert pas. Voyez nos secrets, frères et sœurs. Seule pensée. Même âme qu'ils avaient. Ils avaient ça entre eux. Vous ne pouvez pas voir les autres dans la détresse. Devez appeler. Comment tu vas? Je ne peux voir plus ces derniers temps. Mais aujourd'hui, toi, t'appelles, tu fous. C'est lui. Il va me demander pourquoi tu n'es pas dans l'église. Je ne réponds pas. Il va me demander à quoi des comptes. Je ne réponds pas. Mais regardez ces hommes, frères et sœurs, qui ont bouleversé le monde. Le monde rira de nous si nous ne voyons pas de l'amour entre nous. Le monde, le diable sait. Si ces gens-là, ces hommes-là, n'ont pas de l'amour entre eux, là, qui est parti loin. On va continuer, Diego. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'une ne disait que ses biens lui appartient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Tous. Aujourd'hui, tu demandes quelque chose. C'est mon programme. C'est mes affaires. Tu ne peux pas casser ton programme pour aider ton frère. Tu ne peux pas bouleverser tes soucis pour ton frère. Frère, l'église qui a bouleversé le monde. Si cette église était reconnue, si cette église. La Bible dit que même les démons avaient peur et tremblaient quand ils voyaient les chrétiens marcher dans la rue. Mais toi aujourd'hui, c'est toi qui trembles devant les démons. Pourquoi? Tu as perdu quelque chose, Église. Reviens. Reviens à la source. Nous avons perdu quelque chose. Nos programmes, nos projets ont plus de valeur que les âmes. Il faut revenir à la source. Ils étaient là comme une fraternité. Personne ne se critiquait. Personne ne se haïssait. Ils mangeaient. Quand ils mangeaient le pain, ils disaient, voici le corps de Christ. Aujourd'hui, avant de rendre le troisième point, nous voyons le contraire dans nos églises. Nous voyons le contraire dans nos églises. Je ne comprends pas ces chrétiens. En faisant ce message, je vois un peu l'état de l'église. Je fais mal. Mais Seigneur, où va-t-on? Je vois l'église primitive. Je vois l'église actuelle. Je ne dis pas seulement messager de paix. Le corps de Christ, il y a un problème. Le corps de Christ, il y a un problème. L'amour, il y a un problème. Les gens ne savent plus se supporter. Les gens ne savent plus s'aimer. Les gens ne savent plus. Dès qu'il y a un souci, moi, non, moi. À partir, ils le disent même dans leur bouche. Hein, à partir d'aujourd'hui, moi, j'échange. À partir d'aujourd'hui, moi, je prends le même chemin. À partir d'aujourd'hui, et tu te dis converti. Tu te dis converti comme ça? Non, frères et sœurs. Un vrai converti manifeste. Lorsqu'on dit qu'il y a un programme, il fait tout pour venir. Mais aujourd'hui, on préfère passer du temps à l'extérieur. Plutôt que dans l'église. C'était quoi le premier point? Est-ce qu'on peut persévérer dans la doctrine des apôtres? Christ crucifié, parler que de Jésus. Est-ce qu'on peut le faire? Deuxième secret, c'était quoi? Est-ce qu'on peut aider ça? Si on t'invite ici, on va aller manger. Communion ici, agapé. Il y aura toujours des gens, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est le moment. C'est là où tu découvres ton frère et ta soeur. Si tu apprends à le connaître, il peut se confier à toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dépriment dans les églises. C'est parce que parfois, ils ne savent plus comment traiter. Les gens se méfient, se tuent, se haïssent. On change. Alors que notre ennemi, c'est le diable, frères et sœurs. Il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Il faut que ça change. Amen. On va rendre le troisième point. C'était quoi? Troisième point. Il persiste. Ils persévéraient où?
L'église aujourd'hui, Papa John, l'église n'aime pas prier. Donc, cause, les gens n'aiment pas la prière. Si ici, exemple, dit, lèvons-nous, on va prier. Beaucoup vont te dire 10 minutes. Tu vas voir quelques personnes assises. Au bout de 20 minutes, la moitié de l'église est déjà assise. Quand tu arrives vers la fin, il n'y a que toi qui es debout. Parce que tu as le dos quand même. L'église aujourd'hui n'aime pas la prière. Non, ici je vais parler. L'église primitive, s'ils ont bouleversé le monde, c'était une église qui était dans la prière. Ils cherchaient la face de Dieu. C'était une église qui cherchait la pensée de Dieu dans la prière. Mais aujourd'hui, nos églises n'aiment pas la prière. Je vais parler. Les gens ronflent pendant la prière. Les gens dorment pendant la prière. Alors que l'église primitive pouvait ne pas dormir pour que Pierre soit libéré de prison. Pour que les pierres qui sont en prison soient libérées grâce à la prière de l'église. Si ta famille souffre aujourd'hui, c'est parce que tu ne pries pas. Si parfois autour de toi rien ne va, c'est parce que toi tu ne pries pas. Il faut prier, frères et sœurs. Mais l'église aujourd'hui n'aime pas la prière. Prions. Je ne sais pas quoi dire. Mais quand il faut draguer, tu sais quoi dire. Si tu te fais bien belle, hein, elle parlait. Bien belle, bien beau pour aller draguer. Mais pour toucher le cœur du père dans la prière, tu ne sais pas. Pour toucher le cœur d'une femme dans l'homme, là tu sais. Tu lèches bien les lèvres pour dire que tu es. Mais pour la présence de Dieu, tu ne sais pas. Regardez. Les gens qu'on critique là-bas, voyez leur fond là. Parfois c'est noir. Hein. À force de. Mais vous, vos genoux sont blancs. Fléchissez jamais les genoux. Tout le temps, aidez-vous, tu es assis, le derrière est trop noir. Forme, frères et sœurs, mets-toi debout, à genoux, cherche la face de Dieu. Les hommes aujourd'hui n'arrivent pas à donner une heure de prière ici, n'arrivent pas. Prions, te voici, comment tu peux être à l'église et être comme un mort? Faut que tu pries. Bible dit quoi? Prière sans cesse. Mais les hommes aujourd'hui, parfois tu as même, je ne viens pas à l'église parce que ces gens me découragent. Faut prier, aimer la prière. On ne dit pas que c'est moi qui priais. Il faisait les prières. Il priait pour la nation, pour l'église, pour leur famille, pour eux-mêmes. Il priait. Mais l'église aujourd'hui n'aime pas la prière. À tel point aujourd'hui, dès qu'une mouche rentre, tu sais qu'une mouche est rentrée. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en communion. Tu n'es pas dans la prière. Quand l'autre est touché, tu es étonné. Pourquoi ça doit t'étonner? C'est la Pentecôte. C'est le feu, c'est l'onction, la présence de Dieu y est. Lorsque la présence de Dieu est là, prie mon frère, ma soeur. Pourquoi tu regardes ton voisin? L'église primitive connaissait le secret de la prière. Ils se levaient, ils ne mentaient pas, ils ne chômaient pas. Mais ils étaient assidus dans la prière, cherchaient la face de Dieu. S'il y a un problème là-bas, c'est de nous. On ne va pas dormir tant que toi, tu ne nous as pas donné une révélation pour ce problème. Nous allons prier, l'église priait sans cesse. Nos églises aujourd'hui n'aiment pas la prière. Je vais parler ici. Fâche-toi si tu veux, mais tu dois te fâcher. Beaucoup même calculent le temps. Le culte commence à pire. Comme on va beaucoup prier, moi je viendrai à 30. Il y en a qui le font, je sais. Viens sonder le cœur. Comme il commence à prier, c'est trop de bruit, ça dure longtemps. Moi j'ai faim, j'ai mal à la tête. Je viendrai 45 comme ça, mais reste que 15 minutes après, on va écouter la parole. Et à cause de la parole, tu dors. Il faut que ça change, frères et sœurs. Aimons la prière. Si nous voulons impacter, si nous voulons que le monde puisse bouger, il faut aimer quoi? La prière. Comme cette église était constamment là, dans le temple, entre deux, prier. Amen. Ici, on va avancer rapidement. Premier point, c'était quoi? Deuxième. Troisième. On va parler du quatrième. La crainte est au milieu de cette église. La crainte s'emparait d'eux. C'était une église, frères et sœurs, qui avait la crainte de Dieu. Nos églises aujourd'hui ont perdu la crainte de Dieu. On le voit. Une église n'a plus la crainte de Dieu. À tel point, je vais parler. On vient à l'église pendant le culte, tu es en train de faire tes achats dans ton téléphone. Tu es en train de parler à ton copain pendant que tu es au culte. Où est la crainte de Dieu dans nos églises aujourd'hui? Tu viens au culte, tu es en train d'envoyer un message à celui qui est à côté de toi. La crainte de Dieu a disparu dans nos églises. Tu viens au culte, tu es en train de commenter un statut quelque part. Tu viens au culte. Tu viens au culte, frères et sœurs. Tu es en train d'envoyer un message à quelqu'un qui n'est pas ici.
La crainte de Dieu nous avons perdu l'église. Pensez-vous que les autres peuvent le faire? Pourquoi nous les chrétiens on a perdu cette crainte? On vient même dans l'église. Ton téléphone ici, je dis ouvre vos téléphones. Il y a encore des choses modernes dans le téléphone. Tu dis même pas c'est des... Non, c'est des choses mondaines. Je ne vais pas rentrer avec ça dans ta maison. Mais dans vos téléphones, parfois, il y a des choses pornographiques, des sites pornographiques. Tu vas à l'église, la crainte, on l'a perdu. Il y a la musique mondaine à ton téléphone. Il revient avec ça. Oui, je reviens. Il y a la musique mondaine dans ton téléphone et tu es ici. Et tu dis même parfois amen. La crainte de Dieu parfois va te pousser à enlever ça. Personne ne va te prêcher. Mais la crainte que tu as de ce Dieu-là, chef de Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Connaissons la crainte de Dieu, nous persuadons les hommes. Lorsque tu connais cette crainte de la frère et sœur, tu vas commencer à persuader les hommes. Et l'église aujourd'hui, on a perdu cette crainte de Dieu. On fait ce qu'on veut. Quand tu as cette crainte, frères et sœurs, même ta façon de parler, ton habillement, ce que tu vois, ce que tu écoutes, tu dois faire attention. Avant d'acheter un vêtement, tu te poses la question, est-ce que je ne serai pas occasion de chute pour mon prochain? La crainte de Dieu. Mon attitude à l'église, ce que je fais, est-ce que je ne suis pas occasion de chute pour l'autre? La crainte de Dieu. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Ils écoutent les choses du monde. Ils se comportent comme le monde. Ils font comme le monde. Alors que dans cette église, la Bible dit quoi? Il y avait une crainte au milieu de ce peuple-là. Raison pour laquelle je bouleverse le monde. Comment voulez-vous bouleverser le monde si vous n'avez pas la crainte de Dieu? Comment voulez-vous bouger bien si vous n'avez pas la crainte de Dieu? Regardez les femmes en bikini sur internet, ça ne vous dit plus rien. Vous êtes à l'aise. J'aime ce calme-là. Vous êtes à l'aise en train de défiler sur les actualités. Tu vois femme en bikini, tu regardes un peu. Passe ça, mon frère. La crainte de Dieu, c'est de dire, ah pardon Seigneur, j'ai vu même le petit bout là. Ah Jésus, je te demande pardon. Mais toi tu es à l'aise et tu likes encore. Je vais parler. Toi qui es ici, qui likes encore des choses vulgaires, convertis-toi. Convertis-toi, frères et sœurs. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tes yeux même parfois sont dérangés quand tu vois le petit bout de nudité. Mais on a perdu cette crainte. Ça ne fait plus rien. Parce que tu crois que tu es le Saint-Esprit. Parce qu'en faisant ça, tu es en train d'affecter tes pensées. En faisant ça, tu es en train d'impacter ta façon de voir les choses. Fais attention, mon frère, ma soeur. Il faut avoir cette crainte de Dieu. Si tu perds la crainte de Dieu, tu as tout perdu. Est-ce que nous ne sommes pas ce genre de personnes? Tu parles à ton frère, tu sais que tu as mal parlé, tu es à l'aise. Mais lorsque tu crains Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal parlé à quelqu'un, je ne me sens pas bien. Mais nous avons tellement perdu cette crainte. On dort tranquillement, tu te réveilles encore et tu viens encore prier. La crainte de Dieu, nous l'avons perdue, l'Église. Nous avons perdu ce qui fait la force de l'Église primitive. Cette crainte-là, il faut que cette crainte revienne dans nos cœurs, Église. Tu pêches à gogo, tu avortes quand tu veux, tu couches quand tu veux, tu te martyres quand tu veux et tu viens dans l'Église, Dieu va me pardonner. On insulte quand on veut, on fait ce qu'on veut. On s'habille comme des prostituées. On fait ce qu'on veut dans la maison de Dieu. On vient avec la même haine. Et on ressort avec la même haine. On vient à l'église. Et on se dit disciple de Christ. On a perdu cette crainte, église. Il faut que ça change. Il faut qu'on fasse au caractère de Christ en nous. Que la crainte s'empare de nous. Tu viens mentir à l'église. À l'église, tu mens. C'est ça qui s'est passé aussi dans l'église primitive. Les hommes ont menté, mais la différence c'était quoi? Ils mouraient sur le champ. Ananias, il ment, tu meurs sur le coup. Mais aujourd'hui, les gens se mentent, se haïssent. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'y est plus dans nos cœurs. Mais voyez l'église, la recette c'était quoi? Ils avaient cette crainte-là. Pour les choses de Dieu, ah, je vais parler. Même pour être parfois en retard, ici je vais piquer un peu. Même pour être en retard, lorsque tu crains Dieu, tu dis Seigneur, Jésus, je ne suis pas bien. Mais tu prends l'habitude dans ça. Pourquoi? Parce que la crainte n'y est plus. Lorsque tu crains Dieu, tu cours vite pour aller au temple. Tu te presses pour aller au temple. Moi aujourd'hui, on traîne des pieds, on va chez le paquet, on prend des boissons, on mange. Mais quand il faut aller au travail, voilà comment tu transpires. Je suis en retard. Je vais être en retard, tu cours. Mais quand c'est l'église dans le temps d'aller chez le paquet, comment tu dis bonjour? Les enfants, ils vont bien, oui. Mais pendant tout ce temps, ton poste attend. On néglige l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'y est plus. Oh, attention, tu veux me voir, tu arrives toujours comme ça. Ce n'est pas grave. Si c'est grave, lorsque tu crains Dieu, frères et sœurs,
toutes tes absences. Tes absences. Pourquoi tu es absent? Ça, on arrive aussi. Pourquoi tu es absent tout le temps? Pose-toi la question. Toi, tu veux le réveil. Mais pourquoi tu es tout le temps absent? Parce que tu ne crains plus Dieu. Tu as perdu une sensibilité en toi. Tu as perdu une sensibilité en toi. Il faut que tu retrouves cette sensibilité. Parce que nous ne craignons plus le Seigneur. Amen. C'était ça, on va avancer. Qui faisait la force de l'église primitive. La crainte était là. Il s'aimait. Vous pouvez dire non, Dieu n'aime pas ça. Est-ce que parfois tu peux dire, Seigneur, je sais que tu n'aimes pas ça. La crainte de Dieu, c'est ça. C'est de te retrouver seul. Tu as fait le péché. Mais tu dis non, papa est là. La crainte de Dieu, c'est ça. C'est de te retrouver dans ton téléphone. Là. Tu vois tous ces captures d'écran. Tu dis, Seigneur, je sais que même si l'homme de Dieu ne voit pas mon téléphone, toi, tu vois mon téléphone. On peut ouvrir nos téléphones pour voir ce qu'il y a. Il n'y a pas la tête de papa Dieu quelque part. Ou le nom de papa Dieu dans ton téléphone. Ton solo là. Vous voyez? Les amens elles diminuent. Hein? Si on ouvre ton téléphone là, est-ce qu'il n'y a pas de capture d'écran bizarre sous le frère qui est ici dans l'église? J'aime ce silence. Est-ce qu'il n'y a pas de capture d'écran de ta soeur ici? Quand tu perds la crainte de Dieu, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses vulgaires dans ton téléphone? Quand tu crains Dieu, tout ça tu ne dois plus avoir dans ton téléphone. Est-ce qu'il n'y a pas de choses mystiques? Je pique encore. Est-ce qu'il n'y a pas fallu dedans? Parce que vous pensez que parfois, bon, quand tu écoutes un peu de la musique chrétienne, je peux. Mon frère, tu perds ton temps. Est-ce qu'il n'y a pas de Beyoncé à côté de ton téléphone? Et tu fais un mélange. Fais un dieu, supprime la musique mondaine. Tu es en train de déshonorer le Seigneur en écoutant ces choses qui ne nomment pas le nom de Dieu. La journée, tu écoutes le nom qui est là-bas, et le soir, pour faire la prière, tu mets du dénamona ou aller moloto. Dieu n'accepte pas ça. Tu essaies de laver ta conscience en écoutant aller moloto. Tu es en train de te souiller pour rien. Fais un choix, fais un tri, supprime. Tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu es envoûté? Est-ce que tu es envoûté? Si tu n'es pas envoûté, qu'est-ce qui t'empêche d'enlever ces choses? C'est lui qui ne change pas de vie, t'en parles, j'ai déjà dit. Il faut arriver à un moment donné, dans la conclusion de te dire, Seigneur, c'est vrai, ça m'apporte quoi ces choses-là? J'ai gagné en quoi ces choses-là? C'est juste ton nom, t'es bien, bina, bina, tu bina et après. Si tu continues d'écouter ça, tu vas bien bina en enfer avec le diable. Comment est-ce possible l'église tombe bas comme ça? Tu es allé, tu le vois clairement qu'ils le disent, nous on chante pour le monsieur diable. C'est pas grave, de toute façon de quoi, c'est grave. Arrêtons, frères et sœurs, que cette crainte-là s'empare de nous comme l'église primitive. On veut le rêver, n'est-ce pas? Voici la recette. Voici la recette. Il faut avoir la crainte de Dieu. Crainte même de parler. Ah, je veux parler. Toi, tu es chez toi, où tu veux. Tu commences à critiquer Papa Dieu. Ne peux pas parler de moi comme ça, ne dis pas qu'il se défend. La Bible dit dans Hébreu, ayez quoi? Un respect, de la considération pour vos conducteurs. Mais toi, je dis, à quel conducteur? Lui, t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a dit? Il se prend pour qui? Parce que tu as perdu la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu dis, ah non, c'est quand même mon berger. Quel que soit son âge, c'est mon berger. Mais l'église d'aujourd'hui, il dit quoi, quoi? Philippe, il dit quoi, quoi? Philippe, il dit quoi? Parce que nous avons perdu la crainte de Dieu. Et lorsque cette crainte vient en toi, tu as le respect pour tes aînés. Tu as le respect pour tes frères et sœurs dans l'église. Et c'est ça que Dieu veut pour nos frères et sœurs. Que cette crainte-là puisse revenir. Amen. C'était le quatrième point. Quatrième. On va rentrer dans le cinquième. Pourquoi cette église persévérer? Pourquoi cette église avait bouleversé ce monde à cette époque-là? C'était une église qui était tout le temps au temple. C'était une église qui était assidue. Ça veut dire quoi assidue? Joe, assidue.
assidus au temple. Donc, c'est vous-même qui allez le dire. Ça veut dire quoi? Dites plus fort. Vous êtes déjà fâché. Dites plus haut qu'on entend mieux. Ça veut dire quoi, assidu? Merci. Constant, régulier. Je vais poser une question. Ce soir, ne travaillez pas? Ah oui, timide comme ça. Ces hommes ne travaillaient pas? Ils n'étudiaient pas? Il y avait des tiennes, des jeunes. Ils étaient tous là. Ils n'avaient pas des programmes. Mais la Bible dit quoi? Mais non, tu vois la différence entre toi, l'église primitive? Ils étaient même plus occupés que toi. Mais la Bible dit quoi? Assidu. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas la persécution. Tu viens à l'église en bus, en train, donc tu vas en voiture, il n'y a personne qui te persécute. Mais eux devaient se cacher pour aller au temple. Mais malgré tout ça, ils avaient le temps pour aller à l'église. Nous sommes devenus des fainéants. Arrêtons nos excuses bidons. Tu dois étudier, tu dois travailler. Tu as le temps. Sois au temple. Si nous voulons impacter, frères et sœurs, ça ne sert à rien d'aller faire du bruit dehors si tu ne respectes pas le temple où Dieu t'a établi. Je vais évangéliser. Je vais prêcher dehors. Dieu te connaît que tu es. Dans ta propre maison, tu es incapable. Oh, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est compliqué de voir un chrétien qui va être là. Mercredi, vendredi et dimanche. N'attends pas d'amis de toutes les façons. Aujourd'hui, c'est. Je vois un chrétien. Peut-être le mercredi, ou peut-être le dimanche, ou peut-être la semaine d'après. Il faut compter sur le bout des doigts des chrétiens qui sont là. Mercredi, vendredi, dimanche. Tout le temps, les excuses à donner à Dieu. On a nos règlements à donner à chaque fois. Alors que Dieu veut que le peuple soit au temple. C'était ça leur force. Le secret de cette église, c'était ça. Ils étaient assidus au temple. Tous les jours, ils étaient là. Ils connaissaient le psaume 22. Ils connaissaient le psaume 122. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Mais l'église aujourd'hui, on n'a plus cette joie. On n'a plus cette joie. Nous avons perdu ces choses-là qui fait notre force. Être au temple aujourd'hui, c'est devenu un fardeau pour beaucoup de chrétiens. Il y a encore l'église, il y a encore ceci, il y a encore ceci, alors que ces hommes étaient quoi? Assidus, constamment à l'église. Ils étaient là, ils cherchaient la face de Dieu. Est-ce qu'on peut le faire, l'église? Maintenant, parlons sincèrement. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas là le mercredi? Là qu'on peut vous chauffer que le dimanche, on va dire les vérités dimanche. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas là les semaines? Ce n'est pas un message pour l'extérieur, c'est pour l'église. Qu'est-ce qui fait que le mercredi, vendredi, ou même parfois le dimanche, tu n'es pas là? Donc des raisons que Dieu va dire, je te comprends ma fille, mon fils. Moi, papa, vous pensez que nous pas malade? Est-ce que vous pensez que nous ne travaillons pas? On le fait aussi, non? Mais est-ce que vous m'avez déjà vu absent ici? Je vais d'abord penser, mais ça, c'est toi. Non, ça n'a rien à voir. Même quand j'étais un simple fidèle, je vous le témoigne toujours. J'ai quitté Liège pour aller chaque jour où, pour ceux qui ont suivi, vérifier. Toi, c'est la porte à côté, tu as une voiture, tu as un train, il y a des trottinettes, il y a tout. En plus de ça, on nous facilite la tâche. Mais ces hommes-là marchaient à pied, des pieds gonflés. Ils partaient au temple, tous les jours, ils étaient là. Mais toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, pour les chrétiens, papa Dieu, viens à l'église, il faut les menacer. Est-ce que c'est normal, ça? Viens à l'église, pourquoi t'as pas vu? Oh, on ne doit pas arriver à ce niveau, on est tombé très bas. Regardez la force de l'église primitive. Ils aimaient le temple. Ils aimaient la maison de Dieu. Ils aimaient la prière. Ils étaient constamment là. Mais toi, mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Pourquoi tu n'aimes pas l'église? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas sa maison? Tu m'aimes, mais tu n'aimes pas ma maison. C'est qu'il y a des choses que tu n'aimes pas chez moi. C'est peut-être ton frère que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas croiser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'église a perdu ça? Le désir d'aller à l'église. Alors qu'il a assidu tous les jours. Et c'est seulement 2 heures du temps le mercredi, pour toi c'est compliqué. 2 heures du temps, mon gars. 2 heures du temps. On préfère nos programmes que le programme de Dieu. On préfère nos biens plutôt que les biens de Dieu. Nous sommes où les semaines? Les jeunes, nous sommes où les semaines? Ne parle pas tout le monde. Ceux qui se reconnaissent seulement disent amen dans leur cœur. Nous sommes où les semaines? Si tu étudies, Dieu sait que tu étudies. Si tu travailles, Dieu le sait. Mais si au fond de toi, tu sais que tu es quelqu'un qui sèche, ce message est pour toi.
Dieu veut te voir assidu au temple, comme c'était le cas de l'église primitive. Sinon, envoie des âmes. Dieu va envoyer des âmes, et toi-même, tu n'es pas là. Il va envoyer qui? Toi-même, tu ne montres pas l'exemple. Il va envoyer qui? Il n'en verra pas. Il faut que toi, d'abord, tu sois un exemple, frères et sœurs. Il faut que tu sois un modèle pour ton église. Et l'église primitive, c'était ça leur force. Voici leur secret. Ils aimaient le temple. Quelqu'un peut résumer les points qu'on vient de voir ici? Le premier? Doucement. Oui, doucement. Vas-y. Premier point qu'on a vu. Oui. Bon, aidez-la. Oui. Est-ce que nous aimons encore le temple aujourd'hui? Est-ce que nous aimons encore la maison de Dieu? C'est ça qu'il faut faire. C'était le cinquième point. Est-ce que nous aimons encore le temple, frères et sœurs? Ça ne doit pas devenir un fardeau pour toi d'être à l'église. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Personne ne doit te forcer. Ça doit être naturel. Quand tu te réveilles, Seigneur, aujourd'hui, c'est ton jour. Je viens pour te glorifier, pour te louer. Et c'est ça qui nous amène au sixième point. Il louait Dieu, frères et sœurs. Une église qui louait Dieu dans la simplicité. Une église qui louait le Seigneur, frères et sœurs. Cette église louait Dieu parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Amen. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut louer Dieu comme il se doit, pas selon toi, dans tes pensées à toi? Non. Louer Dieu selon sa parole. Joie. Une église qui dansait, mais aujourd'hui, pour que les gens dansent, il faut que le modérateur transpire. Est-ce que c'est normal? Mets-toi debout. Non, une église, normalement, on n'a pas besoin de te dire, mets-toi debout. Toi-même, tu es debout avant le culte. Tu es en train de danser. Tu es en train de louer, glorifier ton Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'église, on doit forcer les gens. Lève-toi, danse, saute. Non, frères et sœurs. Cette église, ils ont bouleversé le monde, ils connaissaient la puissance de la louange parce qu'ils savaient que leur Dieu pouvait s'assiéger où? Dans la louange. Mais nos églises aujourd'hui tiennent de foi. Louons Dieu. Il est en train de louer ses problèmes. Loue Dieu, mon frère, ma soeur. Dans ce centre, tu es libre. Oh, si tu sais que tu es libre, affranchi par Jésus, loue le Seigneur. Danse-le, acclame-le, glorifie-le. Mon Seigneur a peur. Non, mais tu vois, je vais déranger quelqu'un. Mon frère, tu ne déranges que le diable. Ta louange sincère dérange que le diable. Mais si les hommes ont peur, ils savent plus c'est quoi la louange. Ils viennent comme des glaçons. Le culte, parfois, on dirait qu'on est dans un cimetière. Moment de louange. Tu n'attends que là-bas ou là-bas, au lieu de tout le monde louer. Nous sommes entre deux. Est-ce que vous connaissez vraiment ce Dieu que vous servez? Voici la recette, frères et sœurs. Il n'y a pas de magie. Il n'y a rien. Il loue Dieu. Veut glorifier Dieu. Il se retrouve là entre eux. Waouh! Quelqu'un vient pour la première fois dans l'église. Il voit, waouh, dans cette église, une joie, quelle ambiance! C'est la puissance de l'église, ce n'est pas le nom. C'est ce que vous dégagez en vous. C'est ça que les hommes ont besoin. Qu'est-ce que toi tu dégages si c'est dans ta haine? Lui, il danse, il va blesser, mais il danse, il croit que il va voir. Laisse-le louer. Toi, tu regardes constamment les autres. Il faut que cet esprit de louange descende. Si l'église primitive aujourd'hui ont dit, voici les hommes qui ont bouleversé le monde, c'était parce qu'une église qui quoi? Qui louait, qui acclamait. Comme ce que vous faites parfois, n'ayez pas honte, passez devant, danser, louer, sauter, c'est pour votre Dieu. Mais faites-le dans la sainteté. Hein? Amen. Là, moi, j'ai mis des frères. Hein? Avant de dire amen, calme-toi. Loue-le dans la. Viens pas louer ici, parce qu'un jour, à fond de fête, tu vas tomber ici. Le diable va t'avoir. Tu tombes ici, tu commences à manifester des démons. Donc viens louer ton Dieu. La sainteté. Loue-le pour ce qu'il a fait pour toi. Tu le glorifies. Viens pas parce que c'est l'ambiance. Ah, Annie est partie, moi aussi je viens. Viens, suis la foule. Tu seras comme le 7-8 d'esquima. Paul a fait, mais nous aussi on peut. Tout le monde n'est pas appelé à le faire. Seul, ceux qui demeurent où? Dans la doctrine, dans le fondement, dans la parole de Christ, peuvent louer. Maintenant, je commence à comprendre. Quand tu ne veux pas louer, c'est peut-être que... C'est peut-être que hier soir tu as tellement consommé Nombolo que tu as du mal à venir ici. Hier soir tu as tellement consommé des choses qu'il ne fallait pas que tu es lourd aujourd'hui. Mais quand tu es libre, franchement.
touché par Jésus. Oh, quelle joie de le louer. Moi, je suis un danseur, mais un jour, ça va éclater ici, vous allez voir. Danser pour moi, Jésus, qui va m'empêcher? Quand je sais que je suis plus destiné à aller en enfer, je vais danser, frères et sœurs. Je vais manifester une joie. Quand je sais qu'il va sortir de la mort, quand je sais qu'il va sortir de l'enfer, frères et sœurs, qui va m'empêcher? Quand tu sais que son Dieu t'a guéri, quand tu sais que son Dieu t'a pardonné, mon frère, qui peut t'empêcher de le louer? Sois libre, dis le merci, papa. Tu m'as sauvé. Il n'y a plus de condamnation. Je peux sauter. Je me sens aimé. Je me sens pardonné. Je peux te louer, Dieu d'Abraham. Et je sais que tu viendras nous prendre bientôt. Et ça, ça me donne de la joie, Seigneur. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je te glorifie. C'est ça la raison de ta vie, mon frère, ma soeur. Mais l'église aujourd'hui a perdu ceci. On pense trop à nos problèmes. Trop au péché. Au lieu d'être libre de l'adoration. Libre dans la louange. Tu vois ton frère parfois aussi. Va à côté de ton frère. Booste-le. Viens mon frère, va danser. Je ne sais pas ce que tu vis. C'est ça la communion aussi fraternelle parfois. Tu vas à côté de ton frère. Tu vois qu'il est tout le temps timide. Viens mon frère. Toi et moi, on va danser. Toi et moi, on va louer. Tu tiens la main de ton frère. Vous commencez à prier, frères et sœurs. Je vais aller plus loin. Et parfois, tu sais ce que toi tu l'as fait. Mais tu vas vers la personne, tu le tiens la main. Et tu commences à louer, à prier pour la personne. C'est que tu dégages à contaminer la personne. Alléluia. C'est que tu dégages va contaminer la personne. La louange affecte. Mais toi, non. Tu préfères la tiédeur, rester comme ça, comme un mort. Oh, ton frère, dit Jonathan, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais qu'aucun problème n'est plus grand que le nom de Jésus. Aucun sujet n'est plus grand que le nom de Jésus. Donc, lève-toi, mon gars, c'est quoi ça? Quel est ce problème qui t'a volé la joie? Quel est ce problème qui t'a enlevé la paix? Lève-toi, commence à danser avec moi. Loue l'Éternel. L'église d'aujourd'hui dirait que nous sommes dans un deuil, c'est pas possible. Lève-toi, louons. Glorifions ce Dieu qui nous a sauvés. Mais nous, non. Tout le temps. Tes soucis ne vont rien arranger. Tes problèmes ne vont rien arranger. Parfois, Dieu te regarde et te dit, jusqu'à quoi vas-tu rester comme ça? Lève-toi seulement et commence à m'adorer. Mais non, non. Pense trop. Alors que le secret de l'église primitive, c'était ça. Il louait Dieu. C'était tout ensemble. Il mangeait le pain, toutes ces choses. C'est fait quoi? Ensemble. Mais nous, aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Si nous voulons impacter, bouleverser ce monde, l'église, c'est la recette. Est-ce que nous sommes prêts à appliquer ces principes? Amen. Est-ce que nous sommes? Non, dis amen pour dire amen. Je vous connais parfois. Après la prédication, on dirait comme si on n'a pas péché. On oublie comme ça vite. Mais avant de quitter ces 7 points, il va encore insister. Est-ce que nous sommes réellement prêts? Que chacun se voit dans son cœur, s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes prêts à bouleverser ce monde? Est-ce que nous sommes prêts, Église, à mettre ces points en pratique? Est-ce que nous sommes réellement prêts? Ne dites pas amen pour dire amen, s'il vous plaît. Dites amen avec conviction. De dire, Seigneur, c'est vrai. Je suis réellement en retard. Voici l'église qui a marché avec toi. Comment ces hommes-là qui n'avaient pas de voiture, qui n'avaient rien, on pouvait dire, voici les hommes qui bouleversent le monde. On pouvait dire ça à Dieu. Mais toi, frères et sœurs, est-ce qu'on peut aussi dire ça de toi? C'est ça que cette église a fait. Amen. C'était le sixième point. Hein? Donc, aidez-moi. Sixième point. Il faisait quoi? Il faut que ça revienne. Quand la chorale vient ici parfois, louez Dieu. Ne soyez pas limité. Parce que dans le monde, vous dansez bien. Dans le monde, vous chantez bien. Pourquoi l'église, comme j'avais dit, j'ai constaté ceci. Quand une personne dans le monde, on dirait qu'il est plus intelligent. Il est plus réfléchi. Et s'il se convertit, on dirait qu'il devient plus bête, négligent. Il se coiffe plus, il prend plus soin de lui. Il danse plus, il se néglige. Qui t'a dit qu'être chrétien, c'est se négliger? Être chrétien, c'est être encore plus chic, frères et sœurs. Vous jouez avec Dieu. Tu dois éclater, mon frère. Hey, tu dois être beau. Tu dois être chic. Vous vous convertissez, on disait, on dirait des mamies, des papis. Non! Convertis-toi avec l'onction qui est en toi, frère, avec ta joie. Dis-toi, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On doit voir cela en toi. Mais toi, tu te convertis, tu deviens encore plus bête, bête, bête. C'est quoi ça? Sois intelligent. Tu as l'esprit de Dieu supérieur en toi. Mais les hommes, je n'ai pas converti. On dirait que tu étais même plus bête dans le monde.
C'est pas normal. Dans le monde, tu faisais du sport, tu prenais soin de toi. Mais dans le Seigneur, Dieu va le cœur, l'homme aussi va le corps. Amen. Avance. Parfois, vous négligez pourquoi au nom de Dieu va le cœur, ça c'est Dieu. Mais l'homme qui va ton mari va le corps. Amen. Travaille aussi ton corps. Travaille ton corps, frères et sœurs. Mais toi, non, je me suis converti, je parle la langue, je connais ma Dieu. Ah, l'homme là qui va te marier, tu crois que dans, quand vous allez vous marier, c'est tout toi, Mathieu, Mathieu. Il n'y a pas que Mathieu, Mathieu à la maison. Il n'y a pas que Luc, Mathieu et Jean. Non. Si tu veux garder ton homme le temps, travaille aussi ça. Pourquoi vous négligez? Vous vous convertissez, on dirait des bêtes. Je ne comprends pas. Les problèmes, tu ne sais plus les résoudre. Tu commences à pleurer tout le temps. Je ne sais pas, il y a ce problème, il y a ce souci. Mon frère, sois intelligent. Réfléchis. Comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Si dans le monde j'étais stratégique, dans le Seigneur, je dois aussi l'être. Avec la sainteté. Moi aujourd'hui, les gens se convertissent. Ils sont bêtes. C'est pas normal. Le patron rit de toi. Normalement, ton patron doit te respecter. Et amen. Ton patron doit te respecter. Mais toi, devant le patron. Patron a dit, patron, tu le regardes bien, la tête bien posée. Voilà, comme le proverbe dit, quand tu parles à quelqu'un, sois comme ça. Toi, tu parles au patron, il va te manquer de respect. Quand tu es converti, tu as l'assurance, Tiffany. Tu arrives devant un souci, tu parles bien. On voit que tu as l'assurance en toi. On voit que tu as cet esprit de Dieu en toi. Mais l'église aujourd'hui, à peine convertie, on se néglige. Non, parce que Dieu, c'est pas grave, il va seulement le cul. Non, frères et sœurs, Dieu voit toutes choses. Il prend soin de toi. Arrête de faire la honte à Dieu. Aujourd'hui, on se moque de nous. Les gens du dehors là, se moquent de vous. C'est être bien habillé, bien beau, bien coiffé pour le Seigneur. Mais toi, converti, tu vas à l'église. Et viens à l'église avec classe aussi. Viens avec le clé, je vais dans la maison de Dieu. Mais c'est toi, c'est cela quand il fallait au travail. On dirait mamie, ouais, on ne te reconnaît plus. Même quand on voit dans la vie, c'est toi la soeur de l'église. À l'église, on voit que tu es naturel tout le temps, tu es bizarre. Mais donc regarde, c'est pour ça que c'est les païens seulement qui vous veulent. Parce que vous vous maquillez selon eux. Maquillez-vous selon la parole de Dieu. Sainteté, de la simplicité. Tu n'as pas besoin de mettre les cheveux verts, les cheveux rouges. Non! T'as pas besoin de ça. Sois simple. Avec l'onction de Dieu, le Saint-Esprit en toi, mon frère, tu vas aller loin avec ton Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous négligeons, surtout nous qui sommes des jeunes ici, là. Frères et sœurs, dis à ton voisin, sois chic. Sois élevé. Sois bien. Mais toi, non, tu es converti, tu n'as que 20 ans. On dirait que tu as déjà 40 ans. J'ai trop de preuves dans la vie. Oh, je suis dans un désert. Tu sors jamais du désert, toi? Ces derniers temps, ma famille, ça va pas, mes problèmes. Tu commences à avoir des maux de tête. Tu vas mourir avant le temps. Mets tes problèmes de côté. Parfois, dis Seigneur, tu es Dieu. Moi, je crois ta parole. Que aucun souci ne puisse m'affecter. Tu es mon Dieu. Je ne vais pas négliger la personne que je suis et je ne ferai pas honte à ta parole. Mais beaucoup se négligent. C'était ça la faute de l'église primitive. Ils ne se négligeaient pas non plus. La louange, c'était constamment dans leur bouche. Nous allons louer, glorifier. Le peuple ouvre et ça dit waouh, c'est quoi ce peuple? Ils peuvent louer leur Dieu, ils peuvent glorifier leur Dieu. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Si nous voulons impacter, bouleverser ce monde-là, il faut cet esprit-là. Amen. Septième point. Septième point selon vous, c'est quoi? Je n'ai même pas abordé. Normalement, je devais mettre au début, mais je l'ai mis à la fin. Exprès. Septième, c'est au cœur de l'église primitive. Sans ce point-là, ce que je viens de dire ici n'a pas beaucoup de points. Le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. La venue du Saint-Esprit. Ses disciples dépendaient du Saint-Esprit. Ils ne faisaient rien sans le Saint-Esprit. Si nous voulons que tout change, au milieu de nous, il faut cette puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, mon frère, ma soeur, c'est là où tu peux réellement marquer la différence.
Parce que si les disciples avaient déjà le Saint-Esprit, mais il manquait cette puissance que Jésus leur dira, allez attendre où? Dans la chambre haute. Jean chapitre 20, Jésus souffle sur eux. Mais ils n'avaient pas cette puissance. Raison pour laquelle il fallait attendre où? Dans la chambre haute. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je vais parler ici. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Le Saint-Esprit descend sur Pierre. Pierre va prendre sa revanche. J'ai trahi le maître. Pierre va accepter d'être régné par Jésus. Pierre va accepter les prisons pour Jésus. Pourquoi? Parce que c'était plus la même personne. Pierre était transformé. Pierre était changé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit change un homme, église. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, on ne peut plus te reconnaître. On ne peut plus dire que non, Jonathan est timide. Lorsque le Saint-Esprit est là, Diego n'est pas timide. Même si c'est ta nature d'être timide, le Saint-Esprit va arracher ça en toi. Un esprit de courage. Pierre, c'était un peureux. Mais le jour que le paraclétos est descendu de la chambre haute, voyez-le, c'était le premier à parler. Pendant qu'on accusait ces hommes, ils ont bu du vin, ils ont fait ceci. Pierre prend la parole, homme frère. Ces hommes-là n'ont pas bu. Il est 9h du matin. Ils n'ont pas bu du vin. C'est la promesse de Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Si lui pourra prophétiser, car on pourra guérir le malade. Vous pouvez faire ces choses afin de bouleverser le monde, église. C'est ça qui s'est passé ce jour-là. Si vous voulez que Liège change, soyez amis du Saint-Esprit. Soyez amis du Saint-Esprit. Ce jour-là, le Saint-Esprit descend sur un peureux. Tu as trahi le maître, mais ton voici maintenant en train de parler avec assurance. Et lorsqu'il a fini sa prédication, 3000 âmes étaient touchées. Et ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'on doit faire? Message principal, répandez-vous, venez à Jésus. L'homme que vous avez crucifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Revenez à Jésus. 3000 personnes sont revenues à la vie. C'est ça qui manque aujourd'hui dans nos églises, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a besoin d'une personne ce matin. L'Esprit de Dieu a besoin de ta bouche. L'Esprit de Dieu a besoin de tes mains. L'Esprit de Dieu a besoin de tes pieds. L'Esprit de Dieu a besoin de toi, église. C'est ça qui va se passer. Et je vais vous le démontrer. Dans la Bible, que tout le livre de Actes des Apôtres, tout le livre de Actes des Apôtres, que les disciples dépendent du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, Jésus donne la promesse du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, il reçoit la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 3, Pierre et Jean font marcher le paralytique parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, première persécution de l'église. On arrête les disciples, ils vont se tenir les mains et ils vont prier, ils disent Seigneur, vois leur menace. Ils vont prier, le lieu a tremblé parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 5, Étienne va mentir. Ananias et Saphira vont mentir parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit et meurent. Pourquoi? Ils ont menti, on ne ment pas au Saint-Esprit. Acte chapitre 6, ils vont choisir 7 personnes remplies du Saint-Esprit. Étienne, Philippe, Timon, Nicolas, ils vont choisir 7 personnes remplies du Saint-Esprit pour marquer la différence, alléluia. Acte chapitre 7, Philippe, Étienne meurt et voit Jésus debout à la droite du Père. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 8, Philippe descend en Samarie et commence à prêcher, les sorciers se convertissent et se donnent à Jésus. Il prêchait la bonne nouvelle. Acte chapitre 9, sans se convertir, Pierre de Jésus habita. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 10, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va remplir la maison de Corneille. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 11, le prophète Agabus va prophétiser une famine. Et cette famine est arrivée. Pourquoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 12, l'église a prié pour Pierre qui était en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est sorti. Pourquoi? Parce que l'église était remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Acte chapitre 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Pourquoi? L'église se dépendait du Saint-Esprit. Acte chapitre 14, verset 8. Pierre, Paul descend à Lystre. Il commence à prêcher à Lystre. Il y avait un boiteux qui écoutait Paul prêcher. Il ne pouvait pas être assis. Les sommes de l'onction se comprennent. Les sommes de l'onction se savent. Pendant que cet homme prêchait, à Lystre, lui était des boiteux. Paul est en train de prêcher. Et Paul le regarde. Moi, je sais que tu as la foi au nom de Jésus et le nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi.
Amen. Acte chapitre 15, qu'est-ce qui va se passer? Un conflit parmi les disciples. Mais ils vont se retrouver à Jérusalem. Ils vont trouver la paix. La paix est revenue à Jérusalem. Pourquoi? Parce que les hommes en plus du Saint-Esprit trouvent toujours la solution. Arrête de dire, je ne dis pas pardonner, tu es dans la chair. Arrête de mentir. Ils sont remplis, ils pardonnent. Qu'est-ce qui va se passer? Paul monte à Jérusalem. Non, pour cette affaire-là, on doit consulter les autres. Ils ont trouvé la paix. Je vais dire, mais si quand tu es de Dieu, c'est possible de pardonner. C'est possible de trouver des solutions. C'est possible de trouver des solutions, Église. Alléluia. C'est possible de trouver des solutions. Acte chapitre 16, le Saint-Esprit empêche Paul d'aller où? En Asie. N'y va pas là-bas, ce n'est pas le temps. Acte chapitre 17, les béliers étaient remplis du Saint-Esprit et lisaient la parole. Ils lisaient et vérifiaient ce qu'on nous prêche. Si c'était vrai, tu ne peux pas me dire que tu es rempli du Saint-Esprit si tu ne vérifies pas de la parole. Parce que toute personne qui sont remplies de la parole ont le Saint-Esprit. Les béliers, ils ont dit, peu importe qui tu es, que tu sois bishop, que tu sois diacre, que tu sois président, qui que tu sois, s'il n'y a pas la parole de Dieu en toi, je ne t'écoute pas. Église, n'écoutez pas les hommes qui n'ont pas la parole de Dieu. N'écoutez pas les hommes qui viennent vous distraire. Les périens avaient la parole de Dieu. Ils feuilletaient, ils écoutaient, ils ont dit, ce que tu prêches, Paul, est vérité. Oh, je vais parler. Ce que tu prêches, Paul, c'est la parole de Dieu. Ce que tu prêches, c'est Jésus, c'est le Messie. Donc, on croit ta parole. Les périens vérifiaient toutes choses. Le Saint-Esprit, frères et sœurs. Acte chapitre 18. Paul voit pour la seconde fois Jésus en vision. Paul continue de prêcher. J'ai encore un peuple ici. Acte chapitre 19. Pour la première fois, les disciples de Jean-Baptiste n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. On leur dit, vous là, vous êtes baptisés de quel baptême? Non, le baptême de Jean. Paul dit, venez. Je vais vous imposer les mains. Qu'est-ce qui va se passer? Il est prêt, il les impose les mains. Il commence à prier pour eux. Pour la première fois, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Parce que l'homme, il est donné, était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il les impose les mains. Les hommes commencent à prophétiser. Est-ce que c'est possible? Église, si vous voulez impacter Liège, faut que soyez rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, Église. Soyez remplis du Saint-Esprit. Rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas par ton intelligence, par tes diplômes, que tu vas bouleverser le monde. Faut le Saint-Esprit. Amen. Acte chapitre 20, Agabus prophétise encore sur la vie de Paul. Tu souffriras. Tu souffriras. Tu souffriras, mon gars. Mais quand il savait sa mission, peu importe les prophéties que vous dites sur moi, moi j'ai une mission, je dois aller à Jérusalem. Ma mission c'est d'aller annoncer la parole de Dieu à Jérusalem. Je suis venu parler aux évangélistes, aux prédicateurs dans cette église. Quelle que soit la persécution, même si Dieu te dit, tu souffriras pour mon nom, tu iras jusqu'à la table du sauve, frère, ma soeur. Et c'est ça qui s'est passé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, aucun prophète ne va te faire trembler. Agabus se prophétise des choses vraies. Mais lui dit, oh écoute, ma vie ne compte pas. Moi, c'est que je sais, je dois annoncer la parole de Dieu. Je dois annoncer la parole de Dieu. Amen. Acte chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, 25, 26, jusqu'au 27, 28. Nous parle d'un homme rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Paul. Il arrive à l'île de Malte, chapitre 28. Il se fait piquer par une vipère. La vipère ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. On vient de mort ici. Les hommes disaient, attendez de voir, attendez de voir. Il va mourir. Parfois les hommes vont vous piquer, le diable va vous piquer. Et ils attendent que tu abandonnes l'église. Ils attendent que tu ne viennes plus. Ils attendent que tu abandonnes. Mais toi tu vas dire, Seigneur, je suis fasciné par le Saint-Esprit. Je suis fasciné par le Saint-Esprit. Je ne retournerai pas dans le monde. Je dois prêcher parce que ma famille est convertie. Oh la machaca, la ma famille c'est ton vie de Dieu. Toi ton maître ici, il y a Dieu. Si tu n'as pas l'esprit du réveil, tu perds ton temps. Ma soif c'est ça. C'est qu'un jour on dise à Liège, à une église messager de paix, qui craint le Seigneur. Pas qu'on dise les églises comme toutes les églises. Non, un messager de paix. Et une église qui manque, qui annonce la vérité. Une église qui parle encore de Christ.
ce qui s'est passé, acte chapitre 28, il se fait piquer. Mais les hommes disaient, oh, tu vas tomber, oh ton Kouya, tu vas retourner dans le monde. Depuis qu'on t'a affecté de son vénère, les hommes pensent que tu vas mourir, mais quand tu sais que c'est Dieu, tu ne mourras pas. Alléluia. Quand tu sais que c'est Dieu, tu ne mourras pas. Les hommes, les barbares, pensaient que Paul allait tomber. Mais il a dit, je suis déjà vacciné par l'onction. Je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Je ne peux pas mourir maintenant. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu a une mission pour toi, tu ne mourras pas avant le temps. Même si les sorciers de ta famille quittent leur corps pour venir t'étrangler, si Dieu a dit, celui-là m'appartient, faites tout ce que vous voulez. Voyage astral ou pas, la personne ne mourra pas parce qu'il m'appartient. Elle m'appartient. Cessez d'avoir peur. J'ai vu un sorcier, écoutez, le temps est arrivé que vous puissiez dire au sorcier, tu vas mourir si tu n'arrêtes pas. Tu vas avoir des conséquences si tu n'arrêtes pas. Parle avec onction. Parle avec puissance. Mais l'église aujourd'hui est dans la timidité. Le Saint-Esprit est venu en vous pourquoi? Le Saint-Esprit est venu en nous pourquoi, église? Il est venu pour une mission. Il n'est pas venu s'ennuyer. Il n'est pas venu pour que tu puisses garder de la haine. Non, le Saint-Esprit veut te donner une mission. Et c'est ce que cette église a fait. Les sept points, sept secrets, c'est ça. Le Saint-Esprit, je sens sa grâce. Alléluia. C'est ce qu'ils avaient, ces disciples-là, dépendants de Jésus. Mais ne nous laissons pas sortir sans ta présence. Nous voulons le Saint-Esprit. Et cette église avait compris. Voici un homme, l'apôtre Paul. Voici, j'aime sa prédication. Elle ne s'arrêtait pas sur les discours des hommes. Non. Une prédication remplie d'onction. Une prédication remplie de l'esprit. Démonstration de l'esprit. Paul ne s'arrêtait pas dans la sagesse humaine. Non. Il démontrait ce qu'il prêchait. Parce qu'il vivait la parole de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, église, nous voulons la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que nous voulons marcher par l'esprit? Et de dire à mon Père, c'est ton esprit, ce n'est pas moi. C'est par ton esprit, ce n'est pas par moi. Et j'ai besoin de toi ce matin. Que tu me remplisses, qu'on voit un peu la différence, Seigneur. Le chapitre termine avec un Paul qui est dans une maison. Et ce que j'aime dans le chapitre 21, 28, le livre de Actes des Apôtres n'a pas de conclusion. Le livre continue. Au travers de toi. Au travers de toi. Le livre de Actes des Apôtres, jusqu'à aujourd'hui, continue encore. Je pensais que tu allais dire Amen parce que tu n'as pas compris la révélation. Le livre de Actes des Apôtres, on n'a pas fini. Ce livre continue encore jusqu'à aujourd'hui. Tu peux être la personne qui va se lever. Tu peux être la personne qui va marquer la différence, église. Lève-toi, sors de la tiédeur, dis Seigneur, je veux marquer la différence, Seigneur. Qu'un Liège puisse entendre parler d'un fou qui criait, un fou qui démontrait Jésus, un Jonathan qui prêchait, un Yinsini qui prêchait, un Thiago qui prêchait. Qu'on entende parler de Jésus, église. Nous sommes autant dans l'affaire, il faut voir la puissance de Jésus en toi. Mais l'église est tellement dans la tiédeur. Tiens dans l'église, nous n'allons pas impacter le monde avec ce comportement. Vous voulez voir le monde bouger. Vous voulez voir un réveil, réveillez-vous. Nous sommes trop calmes. Trop, il faut rester comme ça. Non, laisse l'Esprit de Dieu mouver en toi. Laisse le Saint-Esprit se mouver en toi. Le livre continue au travers de toi. Qu'as-tu fait pour Christ aujourd'hui? C'était ça leur force, église. Une église qui s'est levé, qui a compris le secret. Seigneur, c'est toi. Une église qui disait, moi, je ne peux pas venir à l'église pendant la prière. Moi, je suis comme ça. Non, je ne peux pas accepter ça. Une église qui dit, Seigneur, je vais amener le feu. Diego, amène le feu. Église, amène le feu. Nous voulons le feu. Ah, si je parle à quelqu'un, nous voulons le feu dans cette église. Nous ne voulons pas des matins, mais donc, pour que ce feu commence à venir les semaines. Dis Amen aussi. Amen. Commence à venir la semaine et tu verras que son cœur va descendre. Si tu es toujours dans la tiédeur, dans ton foncé pour cette église, il n'y aura rien qui va se passer. Mais quand Dieu fera sa sélection, ne soyez pas jaloux aussi. Amen. Il faut ces jeunes qu'on dise non. Il y a encore des jeunes à ce temps de la fin. Il y a encore des papillons. Il y a encore des mamies Lisa. Malgré leur âge, ils sont là en train de glorifier le Seigneur. Ils sont jeunes. Vu ces mamans sont fatiguées de venir au temple, elles sont là malgré les douleurs. C'est ça qu'on veut, église. Mais toi, tu es jeune, vitaminé, en forme, bien musclé. Tu as du mal à être au temple. Le vieux qui est ici,
prêches, il est là, mais toi, frères et sœurs, honte à toi. Dieu te demandera des comptes. Amen. Il travaille comme toi et moi. Mais nous sommes leur temple, si tu, parce que nous voulons que l'église soit réveillée. Mais ici, aujourd'hui, beaucoup sont dans le sommeil spirituel. Sois la personne par qui on dira, grâce à toi, on n'a pas fermé l'église. Grâce à toi, on a continué la mission. Grâce à toi, la mission est partie jusqu'à Bruxelles. Grâce à toi, la mission est partie jusqu'à Londres. Grâce à toi, la mission est partie. Grâce à toi. Grâce à toi, mon frère, ma soeur. Le livre de l'un des apôtres continue, frères et sœurs. Ce matin, je suis venu te pousser à réfléchir. À voir comment cette église a impacté. Tu peux aussi le faire. Que ce sept points, frères et sœurs, puissent t'accompagner dans ta vie. Que tu les mettes en pratique. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai. Jusqu'à présent, là, j'ai beaucoup négligé. Ce matin, j'ai besoin de toi. Qui veut voir un réveil dans sa vie? Amen. Je désire sincèrement voir ce réveil. Voilà pourquoi parfois, ne vous étonnez pas de nous voir fâchés, crier comme ça. C'est parce qu'on veut le réveil. Ma vie ne compte plus, Église. Moi, ma vie ne compte plus. Là, parfois, quand Aurélie me dit des choses, j'entends seulement, moi, je pense à Christ. Pourquoi? Parce que nous avons des pensées sur Jésus. Quand je fais au travail tout ce que je fais, moi, ma soif, c'est de voir une église debout pour le retour de Jésus. C'est de voir une église debout pour le retour de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix, Église? Non, nous ne sommes pas compris. Nous ne sommes pas compris. Ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est que nous puissions payer ce prix-là. Parce que Dieu compte sur toi. Il attend que tu puisses te mettre debout. Amen. Amen. Il attend que tu puisses dire, Seigneur, je réponds à ton appel. Et cet appel commence par la repentance. C'était quoi le message principal? Jésus. Et Jésus parle bien de crucifixion, il parle de la repentance.